Allez, salut, à dans deux jours, Bernadette, hein? Bonsoir, vous êtes bien Jean-Jacques et Bernadette Schiff. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Oh merde, c'est con. Bonsoir, vous êtes bien chez le président de la République française. Je suis actuellement en voyage officiel. Laissez-moi un message après le boom sonore. Joyau de cette matinée et sans conteste, ce magnifique sac à main en peau de crocodile kényan. Souple, doublé en truc de porc, il est doté de deux ordres réglables permettant le port main libre ou à l'épaule. À son aspect classique, il ajoute une technologie d'avant-garde. Puisque, regardez, son fermoir inviolable possède une mémoire à puce en sodium issue de la conquête spatiale. Vous pouvez... Bonsoir, bienvenue, on se retrouve après ça. Voilà, sans transition, je reçois la première dame de France, Bernadette Chirac. Alors, madame Chirac, bonsoir. Depuis 3 mois maintenant, vous êtes la première dame de France. Est-ce que votre vie a beaucoup changé? Madame Chirac? Mon mari n'est pas là? Non, c'est vous que je reçois. Ah, bon. Je vais l'attendre alors. Ben, c'est-à-dire non, il ne viendra pas. C'est pour ça, je vais l'attendre. Bon, alors donc, revenons à vous. Grand rein nerveux qui bouge tout le temps. Oui, oui, Jacques Chirac. Voilà, c'est ça. Vous ne l'avez pas vu? Non, non, je l'ai pas vu. Bien, on va l'attendre ensemble alors. Donc, madame Chirac, comment est le président en privé? Il bouge tout le temps. Il bouge et il téléphone, et il bouge au téléphone. Ah, c'est formidable de voir la vie des grands par le petit bout de la lorgnette. Tout le temps. Il bouge, tout le temps. C'est saoulant. Et l'activité d'un président est... Il parle tout le temps, il bouge, il parle en bougeant. Des fois, il parle même au téléphone. Je voulais vous demander... Des fois, il s'en va à l'étranger... En province, partout. Oui. Alors, justement, que faites-vous quand le président est en voyage? Je me repose, beaucoup. Je dors. Oui, alors à ce propos, il y a eu ces fameuses vacances au fort de Brégançon. Racontez-nous un peu. Il bouge, en short. Mais il bouge. Faut tout le temps qu'il bouge. Eh bien, merci, madame Chirac, de nous avoir accordé quelques minutes de votre précieux temps. Et puis, il mange, c'est inouï ce qu'il mange. Oui, merci, madame Chirac, sans transition. Il mange en bougeant, il bouge en mangeant, il mange au téléphone, il bouge en short, en mangeant au téléphone. Tout le temps, il parle en mangeant son short. Non, vite, la suite. Voilà, sans transition politique, il n'est pas toujours facile d'être la femme du président d'un des plus grands pays du monde, regardez. Vous vous doutez bien, Claire, que dans l'entourage de Bill Clinton, on s'irrite de l'influence de sa femme Hillary, qui a un ascendant considérable sur son mari. La presse américaine n'hésite d'ailleurs pas à la surnommer le président, ce qui montre bien le poids décisionnel d'Hillary. La presse américaine n'hésite d'ailleurs pas à la surnommer le président. Ouh, y a
celle-ci est excellente. Elle est très bonne. Monsieur le Président. Il y a ce gars qui me dit comme ça. Jacques, mais t'occupe pas de ce gant, il va te pourrir la vie avec ses théories, alors moi, je réponds comme ça. Je m'en fous, je suis le président. Je fais ce que je veux, c'est mon boulot. Fouillala. Moi, je m'ai bien régalé. Avant la passe, j'ai que ça. J'aimerais bien l'avoir la balle. Est-ce qu'elle est passée la passe? Ça, c'est non, non, pas vas-y, Bernadette, fonce-toi. Vous savez, quand j'étais dans la culture, parce que bon... vous imaginez. Impose-toi. Impose-toi. Comme il arrive. Et un peu de courage. Allez, Bernadette, impose-toi. Allez, comme il arrive. Allez, courage. Impose-toi, Bernadette. Bernadette, comme il arrive. Je peux dire quelque chose. Quelqu'un veut du fromage? Qu'est-ce que je vous disais, monsieur Bastien? Absolument. Non, non, mais... c'est une histoire fou, il y a... Je n'en veux pas. Voilà, sans transition, je reçois Bernadette Chirac. Bonsoir. Alors, madame la présidente, votre mari est en Chine. Comment vivez-vous ces moments de séparation? Ah bon? Il est parti? Oui, il y a 3 jours. Ah, je n'ai pas fait attention. Il va tellement vite, il bouge tout le temps. Où est-il parti? Ben, en Chine. Oh, pauvre Chinois. Il ne mérite pas ça. Vous êtes sûr qu'il n'est pas là? Oui. Donc, il ne risque pas d'arriver là, maintenant, comme ça? Non, impossible. Bien. Je peux m'adresser aux Français? Ah, mais bien sûr, au contraire, ce serait un scoop, une première, je vous en prie. Français, Française, mon mari est dangereux. Quoi? Vous savez, je le connais comme personne. En 40 ans, j'ai pu l'observer au moins 2 heures. Il n'est pas comme nous. Oui, il est président de la République. Il est forcément un peu à part. Oh, oui. Il est différent. Comment ça? Mais vous n'avez pas remarqué ce besoin qu'il a de serrer des mains tout le temps? Ce besoin de toucher tout le monde, même les animaux? Il est resté 5 heures au salon de l'agriculture. Il touchait les bêtes tout le temps. Il a palpé des porcs, longtemps, partout. Il les a tellement palpés qu'un cochon s'est suicidé. Non, madame Chirac. Et ce qu'il mange, est-ce que vous avez vu ce qu'il mange? Au salon, si on l'avait laissé faire, il aurait mangé un bœuf vivant. Personne ne peut manger comme ça. Je ne vous suis pas. Ah, je suis sûre qu'il est comme les vaches. Il a plusieurs estomacs. Et c'est pour ça qu'il va les voir tout le temps. Et dès qu'on est quelque part, c'est plus fort que lui. Il faut qu'il aille voir une vache. Il n'est pas comme nous. Mais si. Non, il a une enveloppe corporelle comme la nôtre, humaine. Mais dedans, c'est une vache. Avec plein d'estomacs. Il vient d'une autre planète, j'en suis sûre. Française, Français, mes amis. Mon mari est un extraterrestre qui vient d'une planète de vaches. Et il n'y a pas grand-chose de rationnel là-dedans. Oh si. La preuve que c'est un extraterrestre. Il a été élu. Et personne ne peut voter pour un homme comme ça. Là vous commencez à me convaincre. La suite. Politique, c'est donc demain que Jacques Chirac s'exprimera à la télévision. On vient de recevoir les images des dernières répétitions. Le cap est fixé. Pour lutter contre le chômage, il faut explorer la flexibilité. Pour à terme, nourrir l'employabilité.
Bon, ben, moi, je m'appelle Bernie, hein. Alors, mon mari va parler au français, alors c'est comme ça. Ah, ben, tiens, moi, je parlerai bien français. Alors, il va à la télé, ses copains lui posent des questions, tout ça. Oui, comment ça va? Oh, ben, ça va bien, on est sur la bonne route. Et à moi, non? Et moi, il me parle pas à moi? Je suis pas française, moi, peut-être, ça m'énerve, ça! L'image du jour, c'est l'élection de Miss France ce week-end. C'est Miss Paris qui a été élue. Je suis très émue et... C'est qui, elle, hein? Elle m'énerve, celle-là. Alors tout le monde dit, ah, c'est la Miss Paris qui a gagné. Mais c'est pas nouveau. Moi aussi, j'ai été Miss Paris pendant 20 ans même. Et puis maintenant, je suis la première Miss de France et personne n'en parle. Pourquoi, hein? Qui veut étouffer l'affaire, hein? Politique, après Paris et Le Havre, Bernadette Chirac continue son tour de France. Prochaine étape, Nancy. Tout de suite, nos deux envoyés spéciaux sur le tour de Bernadette, Jean-Paul Olivier et Bernard Thévenet. Alors là, la chapeau, hein, la Bernadette, elle amuse pas le terrain, là. La tête dans le guidon et eu cocotte, hein, comme on dit dans le jargon. C'est-à-dire qu'il y a encore un mois, elle ne serait quasiment à rien depuis 40 ans, Bernard. C'est vraiment formidable ce qu'on voit là. Ça, y a que dans la politique, hein, qu'on voit ça, hein, c'est... Oh là là! Oh là! Chute! Chute! Chute à l'arrière! Bernard, une chute terrible! Jean-Paul, oui, Jean-Paul, Jean-Paul, c'est qui, Jean-Paul? Eh bien, c'est Philippe Seguin, comme à son habitude. Il s'est vautré dans le 10e arrondissement. Là, il ne reviendra plus au général. L'événement de ce jeudi 15 février, c'est une icône qui vient de naître, Sainte Bernadette sauvant la droite. J'ai eu la révélation. J'ai entendu une voix qui me disait... Putain, je suis dans une merde noire. Maman, sauve-moi! Oui, Seigneur, je vais bouter le socialiste hors de France. Juste des mairies, hein. Et bouge-toi le cul, t'as que 3 semaines. Bonjour, Jacques. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Je vous écoute. À quoi ça te fait penser? À du café. Quoi? Je vais être grand-mère? Claude est enceinte. Ah non, 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 tu n'as pas grand-mère. Juste, la vieille, elle te ressemble, là. Mariée avec une star, moi. Voilà, je suis donc avec Bernadette Chirac, la première dame de France, celle qui, jour après jour, a la chance de vivre aux côtés du leader charismatique de notre pays. Je vous hais. Je veux que vous mouriez. Oh oui, tout ce que vous voulez. Mais avant, je voudrais voter pour votre mari dimanche. Ça ne vous fait rien si je meurs que lundi matin. Vous l'avez abaissé plus bas que terre. Vous vous êtes moqué de lui. Vous l'avez sali. Ah non, vous avez de mauvais renseignements. Nous, on l'a toujours défendu, hein. Bon, oui, des fois, on a peut-être été un peu critique, mais qui aime bien châtie bien. Hein. Vous êtes une ordure. Merci. C'est marrant que vous me disiez ça, parce que ce matin, je me posais la question, je suis une ordure ou pas? Je doutais, mais maintenant que vous me le dites... Alors, pour qui allez-vous voter dimanche? Bah, vous le savez bien. Dis-le, ordure! Moi? Bah, comme au premier tour, je vais voter Chirac. C'est dur, hein? Ça te fait du mal, pas hein? Du tout. Moi, je vote Chirac tout le temps, hein? 88, 95, 2002... Même hier, à Love Story, j'ai voté Chirac, alors... Une espèce de larve rampante. Merci, moi aussi, je vous aime beaucoup. Tais-toi! Je ne veux plus jamais que tu parles! D'accord. Mais quand même, quand je pense à tous ces gens mal intentionnés qui ont osé parler des affaires de la cassette mairie, les juges, les HLM de Paris, le financement du RPR, quand j'y pense... Mais alors quoi? Rien, j'y pense, c'est tout. J'oublie pas, quoi. Des salauds, des salisseurs. Mais oui, c'est pour ça que j'y pense. Vous allez les faire payer, ces salauds, non? On va les écraser comme des cloportes. Ouais, super. En même temps, ce qui leur ferait le plus de mal, c'est de les ignorer, hein, les mépriser, les laisser tranquilles, quoi. Hein. On vous tuera tous. Oui, vous avez raison, ils ont été tellement méchants avec votre mari à TF1, hein.
Vous détestez mon mari. Oh, alors ça, même pas vrai. On l'adore. Bon, oui, il y a peut-être une chose qu'on peut lui reprocher, quand même. Quoi? Bah, le quinquennat, ça c'est une erreur, c'est bête. On va l'avoir que 5 ans au lieu de 7. Mais bon, c'est déjà énorme. Salaud! Oh, merci encore et à lundi. Elle est la suite. Jacques, je sors. Hein? Bonjour, messieurs. Je suis fière de vous. La France est sous contrôle dans sa plus grande partie et c'est grâce à vous. Le spectre vous en est reconnaissant. Cependant, l'un d'entre vous a déçu le spectre. L'un d'entre vous catalyse sur lui la colère, la révolte. Il ne remplit plus sa mission. Messieurs, la consensualité est très chère au spectre. Le calme aussi. Vous connaissez tous la sanction. Numéro 3, vous avez failli. Numéro 5. Oui, numéro 2. Monsieur Mazerolle, pourquoi ne nous critiquez-vous jamais? Mais à France 2, nous vous aimons. Enfin, on a peur, on est... Nous sommes à vos ordres, numéro 2. Alors critiquez-nous un peu. Mais je fais de mon mieux pour être à votre service. Vous êtes tellement lèche-botte, numéro 5, tellement asservi que vous en devenez contre-productif. N'oubliez pas que l'illusion de la liberté d'information est bien plus productive que votre docilité. Oui? Maman, octamez les bières, je trouve peu. Numéro 144, vous m'ennuyez. Repartez en voyage. Messieurs, nous vivons une période trouble. Le peuple se pose des questions. Et il ne faut pas. Alors chantez, animez, informez, dans le bon sens. Ainsi, vous servirez la cause du spectre. Vous pouvez disposer. Alors ? C'est de plus en plus difficile, numéro 1. Vous voulez quitter le spectre, numéro 2? Non, pas du tout, non. Je n'ai jamais dit ça. Ni ça, ni autre chose, numéro 2. Le spectre n'accepte ni le désordre, ni l'échec. Apitoyez le bon peuple. Culpabilisez-le. Faites-le consentir au monde dans lequel il vit. C'est votre rôle. Excuse-moi, Baron de Medef. Tu serais pas assis sur mes bières, des fois. Je les trouve plus. Ah, qu'est-ce que c'est? Il faudra aussi changer numéro 144, un de ces jours. Oui, vous voulez que je m'en occupe, numéro 2? Passer pour une vieille réac méchante à mon âge? Pas question! Pourtant, moi, je suis contre l'avortement, pour la messe en latin, contre le droit des femmes, et j'ai même défilé avec les intégristes de Saint-Nicolas du Chardonnay. J'aime pas trop les noirs. Mais les arabes non plus, mais bon... Alors, pour masquer les effets néfastes de mes idées de droite bien réac, j'ai découvert le pouvoir de la télévision. Avec la télévision, paraître sympa, c'est facile. Une invitation par semaine suffit. Regardez. Sous l'effet de la télévision et grâce à l'action combinée de la druckerite, de la phogiéline et de la pernotose, les idées de droite s'estompent et la courbe de sympathie augmente. L'effet est visible dès les premiers jours. Le résultat est là. Grâce à la télévision, je suis plus populaire que jamais. Mais oui, vous êtes gentil. Je vous aime beaucoup, oui. Merci. Je les méprise, ils sont laids. Et on n'y voit que du feu. Franchement, si je ne vous l'avais pas dit, vous l'auriez vu que j'étais une vieille réac de droite bien méchante, hein? Et non. Merci, la télévision. La télévision? Parce que je le vaux bien.
Bonjour, mon père. Bonjour, ma fille. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Allez-y, ma fille. Je vous écoute. J'ai péché, mon père. Cet été, avec mon mari, on a encore séjourné dans un hôtel de luxe. Et surtout, on devait être à Brégançon, alors qu'on s'est payé la réunion. C'est pas bien. Je me sens coupable. Ce n'est pas très grave, ma fille. C'était pas tout. Je me sens mal, mon père. Depuis longtemps, je ne peux pas m'empêcher de me sentir coupable. Allez-y, ma fille, n'ayez pas peur. Le Seigneur est miséricordieux. Il peut tout pardonner. Voilà, C'est moi qui ai forcé mon mari à se représenter en 2002. Ah. Oui, il ne voulait pas. Il est fainéant, il voulait dormir, et tout le temps, et manger aussi. Il déteste travailler, mais j'ai insisté. Et c'est à cause de moi qu'il est encore président. C'est gênant. Mais le Seigneur ne juge pas. Il est amour. Mais ce n'est pas tout, mon père. Evelyne Thomas. Oui? C'est moi qui insistais pour qu'elle devienne Marianne, alors qu'elle est moche. Oui, c'est beaucoup quand même. Vous avez bien fait de venir. Mais ce n'est pas tout. Oh. Jean-Pierre Raffarin. Quoi, Raffarin? Eh ben, c'est moi qui insistais pour qu'elle devienne Premier ministre. Et je ne veux plus jamais vous revoir, sorcière. Non, mais c'est vrai, Seigneur, si on accepte de tout excuser, les gens font n'importe quoi aussi. Bon, bah, c'était la dernière. On passe au marabout. Vous êtes sûr, Jacques? Ah oui, j'en connais un super. C'est celui que je suis allé voir après la dissolution. Allez, roule, Rémi. Ben, arrête-toi chez un boucher, là. Faut que j'achète deux poulets de 4 kilos. C'est pour le marabout. Les poulets? Ah non, c'est pour moi. J'ai la dalle. Ça fait 3 heures qu'on est parti de la maison, quand même. Voilà, sans transition, il est difficile de changer ses habitudes, surtout quand elles sont vieilles, regardez. J'ai faim. Qu'on m'habille. Bernadette Chirac. Elle vivait depuis toujours dans un monde où elle ne payait rien. Je veux aller voir la plus grande omelette du monde. Qu'on amène mon avion. Pour lui éviter un choc dramatique, son entourage lui cachait que les privilèges avaient été abolis et qu'en France, il n'y avait plus de reine. Je veux aller en vacances. Qu'on me construise un hôtel au bord de la mer. Tout de suite. L'île Maurice, ça va? Malheureusement, un jour, au fort de Brégançon, laissé seul par ses proches, le drame survint. Bonjour, madame. Oui. 4 pizzas et une boîte de 12 chicken, c'est ici? Non. Bah, Jacques Chirac, c'est pas ici? Ah si, ça doit être pour mon mari. Posez ça là. Ah, tu vois, c'est là. Bon, c'est 40 euros, madame. Pardon? C'est 40 euros. Sauce piquante ou pas? Non. Partez. Ouais, je vais partir, hein. Mais faut payer avant. Hein. Après, je pars. 40 euros. Mais je ne comprends pas. Garde! Non, franchement, madame, je veux pas d'histoire. Hein. Tu payes, je pars et c'est fini, t'as vu? Mais je ne comprends rien à ce que vous dites. Comment ça, tu comprends pas? Attends, c'est abusé, là. Tu manges, tu payes. Tu vas au cinéma, tu payes. Tu prends l'avion, tu payes. Tu comprends, c'est la vie, c'est comme ça, franchement, t'as vu? Tu prends les pizzas, tu payes. Oh là, qu'est-ce que vous l'avez dit, là? Mais rien, franchement, t'as vu, tac, quoi. J'ai dit 40 euros, c'est tout. Ouais, et je te jure, elle est trop chelou, ta meuf, hein. Allez. Bernadette venait de se réveiller. Ah bon. Plus de privilèges? Non. Goodbye, Louis XVI. Et il nous faut payer comme de vulgaires valets? Ouais, normalement, ouais, mais c'était il y a 200 ans, l'abolition des privilèges. Hein, j'ai eu le temps de m'organiser depuis. T'inquiète, on paye rien, comme avant. Mais je ne suis pas reine, alors? Ah non, ça non.
Mais alors pourquoi me l'avoir fait croire tout ce temps? Hein? Ah, comme ça, ça me fait marrer de te déguiser. Ah, rigolo ton chapeau, hein? Bah, ah, Jacques! Ah, ah, c'est ça, c'est ça. Ah. J'y vais! Bonjour, Madame la Présidente. Guten Tag. Bonjour, Hans. Also, qu'est-ce que ce sera pour vous aujourd'hui? Eh bien, j'aimerais quelque chose d'un peu plus léger, de plus actuel. Oh, et puis il faudrait me dégager le front aussi. Je vois. Allez! Oh, allez! Allez! Voilà, c'est bien! C'est bien ça, jawohl! Prima gut! Hop, 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 hop! Allez! Allez, ho! Oh, 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 oh! Tutu! Tutu, bitte schön, bitte schön! Ja, danke schön. Also, est-ce que ça vous va comme ça, Madame la Présidente? Oui, mais... Ach, je sais, mais pour cela, il faudra repasser. Aujourd'hui, elle ne va rien savoir. Ah bah maman, t'étais où? Au cirque, Jacques. Ah, bah ça, vu ta tête, t'étais certainement pas chez le coiffeur. Voilà, maintenant, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, ciao, bonsoir.